mal à résister à cette attaque. À l'extérieur, la contre-attaque emmenée par Oja Karokoas, le numéro 10, qui va tenter de venir lutter pour la victoire. La ligne droite finale, avec Kikekua qui a toujours l'avantage. En deuxième position, Ralionska, troisième place, Oja Karokoas, qui vont lutter toutes les trois pour les victoires. Avec les deux Gallorini contre la pouliche de Yannick Fouin, le numéro 1, Kikekua qui a toujours l'avantage, Kazakh, mi-noir et mi-violet. Entre les deux derniers obstacles, Kikekua qui est toujours en tête, Oja Karokoas qui est deuxième, Ralianska troisième et en quatrième position, gagne beaucoup de terrain avec notamment numéro 4, Sésame Basque, sur le plat désormais, avec Kikekua le numéro 1 qui s'envole vers la victoire, Kikekua qui après l'hippodrome de Dieppe s'offre une victoire à Auteuil, courant beaucoup mieux que dans le Wild Monarch. La deuxième place est pour le numéro 10, Oja Karokoas.